Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire un petit bunker avec Priscilla. Hop là, j'ai pris une branche dans la gueule. Donc on va rentrer par là. Oh, c'est trop beau. C'est-à-dire qu'à la base on n'était pas parti pour celui-là. Et donc du coup on a fait un échec sur l'autre et on s'est rabattu sur celui-ci. Oui. Oh, c'est bon. J'ai quoi dans le vent? Ah ouais, quand même. Toute la voiture à côté. Bon, apparemment, il y a des gens. On y va, alors? Ouais. C'est plus rassurant. Ouais. Bon, il y aura des gens en bas. Ouais, la voiture qu'on a vue en arrivant. C'est parti. Bon, là, il y a. Si vous allez plus voir par l'ascenseur, il y a une sacrée descente. Tiens-toi là, ça descend raide. Hein. De garde. Bon, c'est descend sec pareil tout le long. Je pense que nous on descend un peu plus long. Là pareil, il y a déjà des chez paliers, un poste de garde. Là c'est des marches normales. Ça va être un peu plus rapide. T'arrives, Pépé? Ah, mais dans le temps, ils vont pas. Ouais. Pas la fin. Ah, c'est bon, on y est arrivé. Alors, ce bunker, je l'avais fait avec mon père. Il va avoir dans les 10 ans. J'en ai 43. C'est quand même l'ordre d'idée. Il me semble qu'il y a des galeries qui ne sont pas achevées dedans. Je ne sais pas si ça se verra la vidéo, mais c'est le phénomène de buée sans qu'on soit en expulsion d'air. C'est-à-dire qu'en gros, sans respirer, il y a de la buée devant nous. Quoi. Là, on va atterrir sur le casemate qui est un peu plus haut. J'espère que c'est pas celui qui s'effondre. Comme un ascenseur. Ça va, Bébête? Pareil que là où on est rentré. Des escaliers en fer. Avec toujours ces postes. Il y a des postes de garde. Hein? Si, ouais, si tu veux. Alors, on est sur la tourelle. On n'est pas sur le casemate. Enfin, sur le bloc, on est sur la tourelle. C'est toi qui as fait le bruit là? Tiens, tu peux me tenir ça s'il te plaît? Merci. Merci. Impeccable. Voilà. Dans cette tourelle, la dernière fois que je suis monté, j'avais 10 ans. Voilà la vue de l'extérieur. Depuis cette tourelle. Cette tourelle que vous connaissez tous de l'extérieur. Et en bas, c'est Priscilla qui m'attend. C'est le papier. Vous montrer celle-ci. Je suis à l'envers. Attendez, on va essayer de redresser. Voilà. Ça, c'est le siège sur lequel se mettait le tireur. Avec le petit volant qui le faisait monter et descendre. Et moi d'ailleurs je vais redescendre. Là je suis en équilibre, j'en peux plus.
Donc la petite contrôle température, on est sur du 2 degrés. 3 degrés. Bon, on va continuer. Attention au cou, on est venu par la droite, hein, t'es d'accord? Hop, attention au cou. Ok, donc là c'est la galerie. Je pense qu'elle va au casemate qui est en train de s'effondrer celle-ci. Là, il fait jour par moi, c'est moins mal. Alors. Celle-ci, elle va au casemate. C'est bizarre. On aurait dit un os. Il y a pas de truc bizarre ici en fait. Là. Je pense qu'il y a un casemate qui s'effondre. Celle-là, on va pas la faire. On va pas la faire. En fait, il y a un casemate qui est en train de s'effondrer au-dessus. Enfin, un casemate. J'ai un casemate, c'est un bloc en fait, par moi. Il y a un bloc qui s'effondre. Donc, on va pas faire les gros. C'est dommage de perdre la vie pour une vidéo. C'est un truc qui fait quand même plusieurs tonnes. Donc, si on se le prend sur la tronche. Une chance pour ça. Je crois que c'est vite vu. Tout va bien là-bas ? Ça va. Tout va bien. Attention. Là-bas. Je vous montre un peu, je m'avance un peu, mais on va pas s'aventurer. Alors là-bas, pour info, moi j'y suis allé. Comme je vous disais, j'avais 10 ans. Donc le passage est encore. Mais regardez. Voilà, on va pas tenter. Je peux dire que j'y suis allé une fois dans ma vie. Donc là, ça descend, les gars, ça descend. C'est très long. Si vous suivez mes vidéos, il y a une vidéo au collabonnette où je dis que j'ai jamais vu un tunnel aussi long. Eh bien, je reviens sur mes dires parce que celui-ci bat le record. Là, j'en vois pas la fin. Alors, là, voilà, il y a une galerie inachevée. Encore les étais en bois qui sont tombés. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Sur ma droite, petite galerie. On voit pas très très bien, j'essaierai de jouer sur la luminosité au montage. Donc là, pas grand chose, hein, c'est du stockage pur et dur. Et là-bas, eh ben, je me trompe pas. Stockage. Peut-être que je retrouve un. Et là, pareil. Hein. Voilà. Donc, c'est des petits entrepôts. Je pense pas que ce soit des chambres, c'est trop petit pour des chambres. Toujours merci aux personnes qui taguent les repères. C'est super cool. Bon, je sais pas si on fait pour nous ou pour tout le monde ou pour eux quoi, mais en tout cas c'est sympa. Donc là ça descend, mais vraiment. Alors là les gars, c'est le tunnel le plus angoissant maintenant ce jour hein, que j'avais fait. Non, on met toi à côté, c'est pour l'éclairage. On ferait des lampes supplémentaires parce que l'éclairage est minable vraiment. Donc on investit ça dans l'éclairage. Alors, juste pour info, j'ai des fonds un peu limités les gars, parce que j'ai déjà une chaîne qui me coûte un peu d'argent. Je teste du matos et des Sartec et j'ai un salaire on va dire moyen. Donc là pour l'instant je fais que moi du bord et petit à petit je m'équipe. Donc là on arrive, oh, c'est assez affolant. Donc là il y a comment appeler ça, un poste de sécurité avec une porte blindée qui est absente, qui est en vrai.
Et là, mon dieu, ça... Attendez, juste pour montrer la petite pièce. Et là, ce qui est fou, c'est que ça descend encore. Mais il est grave. N'oublions pas qu'il y avait les jambes tout à l'heure. On les entend même plus tellement, ouais. C'est loin. Oh, ouais, ouais. Il y avait des personnes tout à l'heure, on ne les voit vraiment plus. Hop. Oh, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Bonjour. Non. On a eu peur, désolé. Hein. Je parle de ça, oh c'est fou. Alors, là il y a le galerie creusée. Bon, ça fait, bon, c'est bien les gens qu'on avait entendu tout à l'heure. Mais là, je m'attendais plus quand même. Je pensais que vous étiez partis. Donc là, juste au cage. Mais là, par contre, c'est énorme. Hein. Je peux pas vous décrire. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. Je m'excuse encore pour l'éclairage. Hein. Et là, c'est énorme. C'est une galerie, c'est voûté. Alors ça fait un dôme. On va essayer d'éclairer proprement. Merci Pépette. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose les amis, hein, désolé. Il est assez monstrueux. Et le plafond. C'est vraiment mort total alors. On se perd pas. Ah, j'ai la trente qui me part dans la tronche là. Ah. Hop là. En tout cas, on est vraiment chaud. Bonjour, ah, on a eu peur. Hein. Ça tombait pas voir des gens. Vous êtes équipés. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour YouTube. Bien équipé, ouais. Merci. Ah mais là, mieux équipé qu'à l'époque. Hein. Ah ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Allez, merci maman. Là, c'est des galeries, on va pas s'y aventurer. Alors moi, je sais où ça donne, ça va sous le dôme que tu vois quand tu es à l'extérieur. Du bois. Je l'ai fait avec ton grand-père. Et là, voilà, vous voyez les étés, là c'est vraiment, c'est du bois. Bon, c'est du bon bois, attention, hein, il a plus de 100 ans, il a tenu. Hein. Il tient encore. Hein. Mais voilà, au-dessus, il y a plusieurs tonnes de terre. Je vois pas d'IPN, il doit y en avoir, je pense, au-dessus du bois. Mais là, j'en vois pas. Là, non, ben, il y en a pas en fait. Et là, c'est de la roche directe. Non, non, ils sont posés sur la roche. Eux, je pense qu'ils y sont allés. Bon, moi, je vais pas tenter. On va pas faire le con. Je suis désolé, les amis, pour la vidéo. Mais ma vie est plus importante. Et comme ça, je pourrais continuer à vous faire des vidéos. Alors, HP2, je sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, on va continuer. Et maintenant, on va pas aller plus loin. Donc, voilà. Là, c'est au-dessus. Ouais. C'est ce que je pensais. Donc là, c'est bouché parce que ça s'est effondré. Alors si vous voyez un peu la taille des blocs de pierre, et tout ça, ça s'affaissait en fait. Donc... C'est quoi le nom qu'on avait fait? Ouais. Dire comme ça. Il y a du ciment derrière. C'est cimenté en fait. C'est très bien fait à l'époque. Ouais. Alors, c'était du monteuf, mais c'est militaire. C'était construit pour durer. Parce que si je dis pas de conneries, ça date d'avant la Première Guerre mondiale. Ça a été réutilisé ensuite à la Deuxième Guerre mondiale. C'était un peu plus fortifié. Et là, ça date d'avant la Première Guerre mondiale. Sur les photos, on peut encore voir les charrettes tirant les canons. Donc là, pour l'histoire, hein, si je dis pas de bêtises, vous me reprendrez dans les commentaires si je dis des bêtises. Hein. Ces bunkers ont été pris par les Allemands. Et ensuite, donc je reprends. Excusez pour la petite histoire, donc apparemment ça aurait été donc pris par les Allemands et libéré par les tirailleurs sénégalais. La bataille aurait été dure, très très dure. Sujet, je remercie ces gens-là. Les tirailleurs sénégalais sont des mecs qui sont venus crever en France pour la France et très loin de leur pays quand même. Donc, bon respect à eux. Je vous avoue que je suis pas serein parce que là on se dirige à la sortie. C'est bien tunnel.
Les lampes. Il y a d'autres lampes. Je sais pas si c'est les mêmes personnes que tout à l'heure, ouais. Je sais pas s'ils sont pas perdus. Alors, je roule. Là, c'est assurance, parce que quand la lumière, ça reflète bien la lumière. En fait, on a l'impression d'être la lumière plus loin. Alors les amis, on est sur les dernières marches. Je crois que c'est les pires. Ça fait du bien, je vous avoue, de voir la lumière du jour. Donc là, ah, je viens de perdre deux tibias, je viens de perdre deux tibias. Voilà, c'est ce que je vous explique quand je vous parle des risques, hein, qu'on fait de l'exploration comme ça. Oh, j'ai envie de chanter là. Waouh, ça fait mal. J'ai perdu un doigt. Ouais. Oh, le cou. Si vous avez entendu le bruit, c'est malin. C'était malin. S'il en reste. Et elle n'a que 18 ans. Et elle est plus carquée que moi. Voilà les amis, on l'a fait. Donc moi, ça m'a un peu ému, puisque donc, comme je dis un peu plus tôt, donc c'est un fort que j'ai pu faire donc avec mon père à l'âge de 10 ans. Et là, comme je disais, j'en ai 43. Et de se retrouver là-dedans, bah, ça m'a un peu ramené quelques souvenirs. Et je pense qu'en prime, ce fort dans pas très très longtemps ne sera plus accessible. Parce que dedans, c'est en train de s'ébouler, mais sévèrement. Et même, je vous déconseille fortement de le faire. Il est vraiment dangereux. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour que la chaîne puisse monter un petit peu. Allez, tchou tchou.